Défi numéro 3. Peser une personne lourde. Aujourd'hui, nous allons aller voir le professeur Moziarty, qui est agrégé d'un diplôme de créativité, ainsi qu'un master en sciences universelles et humaines et technologiques. Nous allons lui poser des questions sur le poids que peuvent faire deux individus lorsqu'ils parlent, parce que, une théorie assez intéressante, le poids fonctionne et varie, fluctue en fonction du discours. Voilà, le professeur Moziarty, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Et puis, j'espère que nous pourrons connaître tout l'étendue de votre savoir à la suite de cet entretien. Oui. Alors, bonjour. On a donc eu un cas très intéressant avec Alex et un mec random qu'on a trouvé dans la rue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est des sujets intéressants? Oui. Est-ce que vous pensez que cette étude pourrait nous mener et prouver votre théorie concernant la fluctuation des basses volumiques à travers les espèces lors de leur discours? Oui. Ouais, très intéressant. Ouais. Et sinon, vous avez quel âge? Je sais pas. Bonsoir, je suis l'assistant du professeur Moziarty et aujourd'hui on va démontrer sa théorie qui, je le rappelle pour les plus ignares d'entre vous, est que quand quelqu'un dit quelque chose de lourd, son poids augmente. Donc nous avons notre cobaye, Alexandra, ici présente. Donc Alexandra, vas-y, pèse-toi. C'est bien, donc nous voyons à présent qu'elle fait 50 kilos. Un peu comme ma bite. Bravo, bah nous avons vu que son poids est de 150 kilos. Donc merci à toi.